Mike. Et là, on est dans la carrière manager. On va jouer le premier match en Europa League. Mais tout doucement, on va aller voir ce qu'on a fait dans l'épisode précédent où on a joué contre. C'est. Carolo. Carolo, oui. Oui, je vais rester poli. 0-0 contre Charleroi. Même si il me semble qu'on a eu plein d'occasions, ils en ont eu une ou deux, je crois, un truc comme ça, mais qu'on les a pas mis au fond, quoi. Puis Malène 2-2, ouais, là, ah ouais, je m'en rappelle. Oh non, on va pas en parler. Puis on a battu Genk 2-1. Comme en vrai, ce week-end, on a battu Genk 2-1. Et ce week-end-ci, on joue contre Malines. J'espère qu'on ne fera pas 2-2. J'espère qu'on ne fera pas 2-2, hein. J'espère qu'on va quand même gagner ce week-end. Pour assurer la place en playoff 1. Oui, des playoffs 1. Donc voilà, là on va jouer en Europa League contre Tottenham. Et j'ai pas regardé ce qu'on allait faire après. Ostend, ça va être compliqué. Et Westerlo, ça devrait aller. Ça, normalement, hein, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. On est ici, on va avancer. Les entraînements les avaient fait, donc on va arriver directement au premier match. On va aller voir les emails. Aux Pays-Bas, ouais, bon. Ça, on va zapper. Donc voilà, ben c'est déjà parti pour le premier match. En Coupe d'Europe contre Tottenham. Avant ça, on va faire l'équipe. Enfin, on va regarder un peu. Dempé avait fait une bonne rentrée. On a Iheanacho. Il y en a qui sont un peu fatigués, donc on va les changer. C'est Tottenham, on va pas espérer grand-chose. On va changer ceux qui sont un peu fatigués. Je vais privilégier donc le championnat. En tout cas, pour ce match-ci, ici, on va mettre Edmilson. Ici, on met Dempé. On l'espérera. On va mettre. Bah tiens, on va essayer. Non, on va mettre Eno. Ouais, on va mettre Leno et Loftus-Cheek. J'ai l'impression de parler bizarrement quand je dis Loftus-Cheek. Ici, Lukaku, on a Andrade. On a Sparania. Ben voilà, premier match pour Sparania avec Scholes. Et Collins Faye. Valdez. Et voilà, l'équipe est là pour la Ligue Europa. C'est parti. Ouh là 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 là. Tottenham. Tottenham qui. Là, j'enregistre la vidéo, on est jeudi, je pense qu'il joue aujourd'hui, hein, contre. En Ligue Europa, justement. Contre, je sais plus qui. Je crois que ça va être un bon match. Tottenham contre. J'arrive plus à tomber. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ils ont Harry Kane, Eriksen, Chadli, Dembélé, Dyer, Lamela, Rose, Vertonghen, Alderweireld, Walker, Lloris au goal. Bon, ils ont mis la bonne équipe. Voilà, début du joueur pour Sparania et Loftus-Cheek. Allez. C'est parti, les gars, allez! Ah, on a les reconnaissances. On a la reconnaissance vocale, dit. Ça m'a perturbé, ça. Ça va être dur, hein. Yo. Oh là là, ouf. Et Valdez, il faut qu'il nous sorte un gros match, là. Allez, Valdez! Oh là là. Il faut les arrêter direct, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là, il faut se concentrer direct là. Ouf. Ça va être chaud, ça va être chaud. Un Belge qui marque en plus. Voilà. Bon les gars, allez, on y va, allez. Allez. Ouais. Ouais, l'arbitre, allez. Si l'arbitre s'y met. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là, ouf. Heureusement que Valdez est sorti. Oh là. Là, on va galérer ce match-ci. C'est raté, c'est raté. On va galérer, hors du. C'est bien battu. Ah, Pereira. Les ancêtres BPL sont là, hein. On a Pereira et Nacho. Loftus-Cheek et Dompé qui est parti. Il y a Nacho. Oh non! Je demandais qu'il frappe un rien plus tôt, j'ai appuyé. Ah, c'est pas grave. Allez. On voit qu'on peut le faire. On peut en mettre au moins un, les gars. Allez. Ouais. Il est hors jeu, ça. Ah là là. On peut le faire, allez. Ouais, Pereira. Oh non, j'ai voulu faire une faute de frappe. Ah là, c'est pas. On peut le faire, ça se voit. On peut en mettre un, allez. Allez, Dempé. Y'a foot. Voilà. Un beaucoup franc. Allez. Ça a beaucoup franc, ça. Dempé, on va essayer, on va tenter.
t'as beaucoup. Et on sait qu'il y a moyen. On sait qu'il y a moyen. Si on attaque bien, il y a moyen. Iheanacho, la frappe, l'arrêt du. Pourquoi il a pas repris? Attention. C'est pour nous. Allez, il reste 3 minutes, les gars. On peut le faire. C'est pour nous. Allez, stop beaucoup France. Dompé. Oh non. Oh, il fallait mettre plus à gauche. Et celle-là est sur la ligne. Il y a Valdés. Dans le rectangle. La tête! Oh putain! Oh non! Et voilà, on est battu. Je pense qu'on est battu 1-0. Ah, il y avait moyen de faire quelque chose. C'est dommage. Mais bon, c'est que 1-0, donc ça va. On peut se sentir heureux. 1-0, fini. Je pense qu'on aurait mérité un goal. Ils ont pas frappé beaucoup au goal, hein? On va regarder ça tout de suite. Ils ont. Ok. D'accord, je croyais qu'ils avaient fait plus de frappes qu'eux. Je croyais qu'ils avaient plus de frappes que ça. Je croyais vraiment qu'on les avait dominés en fait. Ben, ils ont beaucoup fait tourner derrière. Ça. Ouais. Mais niveau occasion, je pensais les avoir dominés. Mais bon. C'est comme ça, c'est pas grave. Allez. Et Anderlecht qui gagne 1-0 à Altach là. Je connais même pas. Heureusement qu'il gagne. Collins Faye. Bon, je suis vraiment d'être. Je suis vraiment content d'être retenu aussi souvent dans l'équipe, merci. Bon, t'as joué qu'un match, frère. L'échec Pereira, non? Je pense qu'il est pas mauvais. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, mais quand on le voit, il est utile. Donc voilà. Match suivant contre Ostende. C'est parti déjà. On joue en rouge, eux en vert. Et on va changer ça. On va mettre Santini. On va refaire confiance à Santini, on va mettre Boschilia. Aarons, Dosevi, Magnatis, Trebel, Goru, Kozanovic, Ukeku, Scholes qui est là. On va mettre Arsène Agüero parce que Scholes est un peu fatigué. Et voilà. Voici l'équipe pour jouer contre Ostende. Donc voilà, c'est parti. On doit gagner, hein? Non? Si, on doit gagner. On va gagner, mais. On va gagner, on va gagner, on va tout donner. Allez, allez! Courage, confiance, on a joué la semaine, c'est pas grave. Tout le monde est en bonne forme. On va gagner. Allez. Voilà, Boschilia. On l'a vu ici, Dosevi. On l'a vu ici. Oh non, j'aurais dû essayer de frapper. Boschilia. Ici, Santini. Santini, montre-nous de quoi t'es capable. Oh. Aaron Sberg. Oh non, je croyais qu'il avait. Je croyais qu'il avait. Dommage, allez. Voilà, Boschilia. Tu peux tenter. Ouais, bel arrêt de Vono. Allez. On peut le faire, les gars. Allez. Très belle. Un beau corner, frère. Oh, et Vono, il est pas sûr de lui, les gars, Vono. Il faut frapper. Ouais, il centre. Santini. Oh là là, Théo Vono est pas sûr, les gars. Je suis sûr que on peut faire un bon résultat ici. Ah. Santini pourrait peut-être mettre son premier goal. Il y a une faute. Ah bon. D'accord. Allez, c'est bien joué, ça. Touche là. Ron, c'est parti. Aaron, siffler le 0-0. Bel arrêt de Vono. Mais on peut lui mettre un goal, il relâche tout, allez. Là, non. Kozanovic a failli marquer. Vandendrush. Vandendrush. Oh là, regarde bien. Première occasion, regarde bien. Oh, regarde bien. Tu sais, j'ai cru qu'il allait siffler faute. Il en était capable. Magnatis. Dompé. Pour le 1-0! Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc Dompé, Jean-Luc Dompé! Yes! Mais oh non! Première occasion, frère! Non! Première occasion! Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il la contrôle? Dégage là, Goreux! Syriac en plus! Ah là 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 là! Que dire? Ils ont une occasion! Ils ont frappé une fois au goal. Nous, 5 fois, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On a quand même eu plus. On a eu 5 tirs cadrés sur 5.
Ça, c'est déjà pas mal. Parce que toutes nos frappes sont cadrées. Eux, ils tirent une fois et la mettent dedans. Allez. En plus d'une erreur de Goreux. Et André qui joue à Malines et Lokeren qui reçoit Charleroi. Et André qui reçoit Malines. Ben voilà. Il y a des entraînements à faire. Oh là là, je ne sais plus parler. Ah, tellement que ça m'énerve, je ne sais plus parler. On va jeter un coup d'œil au classement. On est 8e. Ouais, 5 matchs nuls là quand même. Bon, il va falloir un peu les mettre au fond. Sans faire exprès, j'ai changé. Anderlecht, premier. Westerlo est deuxième. C'est moi ou. Je sais lire ou. Westerlo, deuxième. Ah, tu vas voir, on va perdre contre Westerlo, frère. Tu vas voir. Oh là là. On fait les entraînements. Ici. Voilà. Je fais les entraînements, on se retrouve juste après. Même les entraînements, c'est pas top. Mais TT a augmenté de 1. Donc voilà, on va avancer, on avance, on avance, on avance. Jusqu'au prochain match contre Westerlo. On a des messages Pays-Bas en cours, Angleterre et l'Égypte, non merci. Je me concentre sur mon club. Allez, dernier match de cet épisode. J'allais dire premier match. Je suis complètement perdu. Premier match, si on gagne. Allez, on va regarder un peu. Si on gagne, on est à 7 matchs, si on gagne. On a 14 points et on peut se retrouver 5e. C'est peut-être même avec la différence de but, on a combien? 2. Ouais, bon, il faut gagner 3-0 et on pourrait arriver 4e. Donc, ce sera la bonne affaire du week-end. Ah non, ils doivent encore jouer. Ouais, bon, on sera peut-être pas dans le top 6 maintenant. Mais il faut gagner quand même. Sinon, on va être largué. Et on va jouer en rouge, eux en jaune. L'équipe. On va mettre Dompé parce que franchement, Dompé. M'impressionne pour le moment. On va le mettre en M aussi. Voilà. Aaron, Iheanacho, Dosevi, Dompé, Magnatis, très belle. Magnatis, j'aime pas trop. Alors, Loftus-Cheek a bien joué. Je vais lui faire confiance. On va lui faire confiance. On va le faire jouer. Et ici, on a Lukaku, Kozanovic, Scholes, qui n'est pas en bonne forme. Et Goru. Il n'y a personne qui sait jouer à droite. Défenseur central, défenseur central. Défenseur gauche, oui, il sait pas jouer à droite. Sparania, il sait jouer à droite. Il sait pas jouer à droite. Andrade, défenseur gauche. Aimon, qui n'est pas en bonne forme. Bosch non plus. Tété, Santini qui est un peu fatigué. On va mettre soit Aimon, soit Tété. On va mettre Aimon. Ici. Et ce qu'on va faire, on va enlever. Non, on va laisser Pereira, Nilsson, Boschilia. Non, non, non. On va mettre Badibanga. Voilà. Enos, Paranya. Et voilà. C'est parti. Allez, c'est bon comme ça. En déplacement à Westerlo, sous la pluie, c'est la victoire où on est complètement largué au classement. C'est la victoire ou rien du tout. Et c'est la meilleure défense. Oh non, ça va encore faire des fautes partout comme Charleroi. On est quand même la cinquième meilleure défense. Hein. Allez, c'est parti. Iheanacho. Et c'est le 1-0 direct. La meilleure défense, on l'a pas vu là. La meilleure défense, on sait pas où elle est. Hein. Mais t'étais où? Pas là. Hein. Mais t'étais où? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où? Pas là. Bien joué. Et une passe décisive de Dompé. Dompé est franchement impressionnant. C'est le meilleur pour le moment au standard. Enfin, au standard. Voilà quoi. Dosevi. Oh, bel arrêt. Belle frappe de Dosevi. On a failli, on a failli, on a failli. Allez. Pressing. Bien joué, Aaron. Aaron, il récupère. Bah non! Il récupère pas mal de ballons sur son flanc là. Quand on est dans leur camp. Et ça crée des occasions. Hein. Pas mauvais. Bien joué. Pas mal. Dompé. Tu l'as vu, ben oui. Dompé pour le 2-0. Peut-être 2-0 plus tard, hein, je parlais pas tout de suite. Faut laisser le suspense. Allez, 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 Scooter Den. Le centre, Evaldes la sortie. C'est récupéré Island. Et j'ai Dompé qui est blessé. Bien joué, merci beaucoup. Et on a Apo. Et on a la frappe complètement dévissée de je ne sais pas qui. Mais tant mieux. Valdes qui dégage. Allez hop. Dompé est blessé, toujours. Allez, il est guéri, il est guéri après. Bon, il est peut-être pas aussi, il est guéri. Aarons.
Bien joué. La frappe. Oh, contré. Ils ont de la chance. Ils ont eu de la chance là-dessus. Dompé, toi, t'es plus blessé, gamin. Tu centres. Tu mets la tête. Le gardien, il sort. Lukaku, tu mets la tête aussi. Il y a une faute. Faute de main, non? Ben oui. Très belle. Est-ce qu'on la tente? Allez, on la tente. Oh! Oh, franchement, j'y ai pas cru. Et j'ai bien fait parce qu'elle est pas dedans, mais. C'était plus près que prévu. Et en plus, c'est touché par le mur, donc c'est corner. Donc voilà, très belle, allez. Scholz. Ouais, bon. Loftus-Cheek, bien joué. Ouf, j'allais reprendre d'un coup. Gouru, bon contrôle. Gouru, franchement, très fort. Voilà, je crois qu'on va devoir chercher un défenseur droit hein, pour le mercato hivernal. Donc voilà, si vous avez déjà quelques idées, dites-les moi maintenant. Hein. Pour un défenseur droit, Loftus-Cheek, la frappe, où tu? Bien joué. Non, je la récupère, laisse l'action au moins. Frère, on t'a pas payé pour rien. Hein. Dompé. Aaron. Bien joué. Dompé. Ouais, bien vu. Ça c'est pour le 2-0. Oh là là, Dompé. Ah. Faut améliorer tes frappes. On a vu Dompé. Et celle-là, elle est dedans. Celle-là, elle est dedans, Dompé. Celle-là. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Corner. Il se fout de ma gueule. Dompé. Sérieux? Oh non, hein. C'est bon. Ouais, bien défendu, ça. Je sais pas c'est qui, mais c'est bien défendu. C'est Scholz. Scholz, normalement, il a des plus longs cheveux que ça. Hein. Il a les cheveux bouclés et tout. Ah non, là, il a les courts cheveux, alors qu'en vrai, il a des cheveux qui sifflent, il le fait tout seul. Qu'est-ce qu'il siffle? Ok. Qu'est-ce qu'il siffle? Qui bégamin. Bien joué, Valdez. C'était travailler à l'entraînement, mais pas assez, apparemment. Wilson, il aime bien faire la différence. C'est mon joker, Wilson. Et il centre, là. C'est pour rien. C'est un autogoal. C'est un autogoal. Beau centre, Wilson. Ouais, à chaque fois qu'il est sur le banc, qu'il rentre, il est décisif. Edmilson, franchement, il est fort aussi. Aussi, c'était pas lui, c'était Aimon qui était dans le rectangle qu'il avait. Hein. Reusen, contre au camp. Très belle. Tu la touches. Bien joué. Bien joué. Faute. Carton, monsieur l'arbitre. La rouge. La rouge. Oh, il met la jaune. Pas grave. Il mérite au moins un carton. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va se rentrer. C'est pour Aimon. Ouais, mon. Belle tête, Aimon. Bien joué, Aimon. Et c'est fini, Aimon. C'est 0-2, Aimon. Bien joué. Les statistiques. Ah, oh, oui, largement. Sauf la possession, encore une fois. Mais ça, la possession, c'est mon problème, ça. Mais ils font beaucoup tourner hein, en même temps. Je ne saurais pas faire plus que ça. Donc ils ont tiré trois fois, tu regarderas, c'est victoire logique. On va pas regarder la possession, victoire logique. Et eux ils gagnent, et eux ils gagnent, et eux ils gagnent aussi. Voilà, toutes les équipes à l'extérieur ont gagné. Alors, prochaine rencontre, c'est contre Braga en Ligue Europa. Et on est troisième juste devant eux. En fait, ils ont été battus par Trabzonspor. Trabzonspor. Ils étaient battus par eux. Donc on pourrait battre Braga, hein. Là, c'est un coup à jouer. Attends, on va aller voir ce qu'il y aura dans le prochain épisode. Ce sera Braga, Waslon Beveren et OHL. Ben écoute, Braga, ben ils vont connaître l'équipe A du standard. Hein. Contre Waslon, on va mettre l'équipe B et contre l'OHL. L'équipe A. Hein. Voilà. Ce sera pour le prochain épisode. On a deux messages, conférence de presse. On va déjà le faire. On va déjà le faire. On va les motiver. Email de jour, Johan sera montant de jeu. Ouais. Dis ça en vrai aussi. Réclame un peu du temps de jeu, on va voir ce qu'on va te dire. Donc voilà, on a plus grand chose à faire. Donc bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. On va faire les entraînements dans le prochain épisode. Comme ça fait un petit truc en plus. Ça durera un peu plus longtemps. Ça a été vite aujourd'hui, mais les matchs sont fort serrés, donc il n'y a pas d'entraînement. Et je vous montre pas les entraînements aussi, donc voilà. Si vous voulez les voir, dites-le.
Sinon, voilà. Ben, merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez me suivre sur Facebook, lien dans la description. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitch, où je commence à streamer. Donc, je fais des lives et je fais pareil, une carrière manager où je joue aussi de temps en temps sur FUT. Je peux faire une carrière pro, faire un peu de tout, ou faire un peu tous les domaines de FIFA. Et d'autres jeux aussi, NBA, Just Cause. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu? On a Rainbow Six, voilà. Bientôt, peut-être The Division et Far Cry. Voilà, il y a plusieurs jeux qu'on va jouer ensemble en direct. Là, vous pouvez faire tous les commentaires en direct et tout. C'est assez cool, c'est assez marrant. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Et rendez-vous dans le prochain épisode pour un Career Manager. Ciao!